Allez, salut, salut les gars, c'est toujours moi, Sam Hospital, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc j'aimerais faire cette petite vidéo, cette toute petite vidéo pour ceux qui m'ont demandé comment est-ce qu'on fait pour faire la sélection des universités sur la bourse de Turquie, voilà, pour la bourse 2023-2024. Donc n'oubliez pas, il vous reste seulement que 5 jours comme ça à pouvoir postuler. Donc faites vraiment le maximum pour pouvoir le faire parce que on ne sait jamais. Je vous ai déjà dit que cette bourse là concerne la licence, le master et le doctorat. Donc ceux qui veulent vraiment postuler, vous pouvez déjà essayer de bien faire, de bien postuler. Et n'oubliez pas, l'élément qui est le plus important pour cette bourse là, c'est la lettre d'intention et la lettre de ou la lettre de motivation, vous voyez. Donc faites vraiment l'effort de pouvoir bien les faire et tout ça. Donc ici, vous voyez là sur la plateforme qui est là, ça c'est la plateforme des études en Turquie. Donc pour l'université, vous voyez là, j'ai déjà fini de remplir là. Je vais pas vous montrer ça, c'est pour une personne que je suis en train d'aider. Voilà, pour ceux qui m'ont contacté pour que je puisse suivre comme ça le dossier. Voilà, donc c'est l'un d'eux. Alors je vais pas vous montrer les éléments, c'est-à-dire personal information, tout ça, family, non. Mais ici, le but de cette vidéo-là, c'est juste pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on fait la sélection des universités. Parce qu'il y a plusieurs personnes, après avoir fini de remplir tout ça, lorsque vous finissez de remplir tout ça, vous voyez les éléments qui sont là. Parce qu'il y a deux étapes. Il y a deux étapes sur la plateforme. Dans un premier temps, vous allez remplir ce qui est là. Vous voyez là. Pour la première étape, il y a personal information, family information, contact info. Il y a education. C'est ici que vous allez mettre les données que vous avez faites par rapport à vos études. Et il y a aussi le langage, si vous comprenez l'anglais ou bien le français ou bien la langue turque. Voilà. Et ici, votre expérience en termes de turc, si vous avez déjà été là-bas ou pas. Maintenant, les éléments qui sont là, qui sont en jaune ici, voilà, ça sera les éléments qui vont passer aussi sous la forme verte. Mais ça sera dans le second volet. Donc, le second volet, pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir choisir vos universités, vous devez, une fois que vous avez fini de faire tout ça, vous allez venir dans Home Page ici. Voilà. Et dans Home Page, vous allez avoir l'opportunité maintenant de choisir. Vous voyez, moi j'ai déjà fini de faire cela. Mais je vais supprimer. Regardez un peu, je vais supprimer. Comme ça, vous allez voir de quoi ils sont en train de parler. Yes. Je vais supprimer. Vous allez voir ce qui va se passer là. Et comment est-ce que je vais pour choisir. Vous voyez là. Ça, c'est le Home Page. J'ai supprimé ce que j'ai fait, ce que je viens de faire. Voilà, parce que je me suis rappelé qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient que je leur montre un peu comment est-ce qu'on fait pour pouvoir choisir les facultés. Donc, arrivé là, vous voyez, si vous voulez postuler pour la licence, ce que je fais là, la musique et tout ça, vous voyez, il y a deux bourses. Il y a une bourse pour une bourse classique et une bourse pour les arts. Vous voyez, donc c'est un peu important, c'est très très simple. Et ici, une fois que si vous voulez postuler pour la licence, alors vous cliquez sur Apply et vous postulez pour la licence. Maintenant, si vous voulez postuler pour le master ou bien un doctorat ou bien vous faites des recherches, vous allez venir sur master ici. Voilà. Et en ce moment-là, vous allez maintenant postuler avec le graduate qui est là. Donc, vous allez cliquer sur graduate. Ils vont vous demander, vous mettez accept. Voilà. Donc, on vous dit seulement que si par exemple vous avez fait des erreurs dans le premier volet et que vous voulez rectifier, parce que vous ne pouvez plus rectifier directement comme ça, vous serez obligé de supprimer votre plateforme dans le deuxième volet. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai supprimé d'abord l'élément dans le second volet avant de pouvoir chercher à faire quoi, à compléter les éléments qui sont un peu en arrière. Vous voyez, il y a deux volets comme je vous ai dit. Donc ici maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accepter ce qui est là. Vous n'avez pas le choix. Voilà, et vous allez faire un save. Donc une fois que vous faites le save qui est là, vous avez vu que directement le second volet s'active. Et c'est en ce moment-là que vous allez maintenant chercher à remplir tous ces éléments-là avant de pouvoir soumettre votre candidature. Et une fois que c'est comme ça, vous voyez ici, une fois que c'est comme ça, directement lorsque vous venez dans application ici, il y a dans l'application votre élément qui s'affiche. Vous voyez, ce que vous venez d'activer s'affiche directement ici. Donc ça veut dire que voici le numéro de votre application. Vous allez faire un master degré, date d'application. Lorsqu'on va finir, on va soumettre, ils vont mettre la date d'application. Voilà. Et ici, on dit que c'est pas encore fini, je n'ai pas encore fini d'appliquer. Donc nous on revient directement sur notre home page et de là-bas on va essayer de continuer pour pouvoir mieux appliquer. Donc arrivé là, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours mettre apply et puis would you like to continue with the application? Yes. Vous voyez? Donc vous venez là et puis vous continuez.
Donc ici, on avait déjà fini de faire ça. Donc maintenant, on va passer sur la lettre de préférence ici. Voilà. Et une fois que vous finissez la première étape, vous passez sur la lettre de préférence. Et ici, vous allez chercher maintenant à pouvoir mettre votre université. Donc ici, je vais mettre les universités. On dit quoi? On dit you can choose 12 universities and departments at most. You should consider that choosing preference varying in terms of city and university will increase your chance to be awarded. Pay attention to the preference order, to the first row. Donc ici, on vous explique juste que n'oubliez pas, vous avez des choix. Vous pouvez choisir jusqu'à 12 universités. Voilà. Et lorsque vous choisissez les 12 universités, ça sera classé de 1 à 12. Donc, votre préférence en termes de votre université que vous préférez, la mieux, doit être en première position. Vous voyez un peu. Donc, ici, ce que nous allons faire, on va essayer de choisir l'université en cliquant sur Add ici. Et on va choisir, puisque lui, il voulait faire la chimie. Dans le premier volet, on a choisi chimie. C'est pourquoi on nous a présenté tous les éléments qui concernent la chimie. Vous voyez un peu. Donc, moi, j'ai choisi chimie ici. Pour ne pas se fatiguer, si vous avez le certificat en anglais, vous pouvez choisir chimie en anglais. Mais nous, on n'a pas ça, donc on choisit chimie. Je choisis par exemple comme ça. Et si les universités qui sont là, lui, j'ai déjà fait des recherches sur ces universités là, donc je peux choisir les universités que moi je veux. Maintenant, vous devez vérifier vraiment les conditions de ces universités là pour pouvoir les atteindre. Donc, moi, je vais choisir par exemple comme ça. J'ai choisi une université. J'avais déjà fait les recherches sur l'université, voilà, de chimie. Donc je crois que ça va. Ok, je vais prendre Kos. Kos aussi était dans mon viseur. Je vais prendre ça. Istanbul, non. Ok, natural tank apply. Ok, donc une fois que j'ai choisi le premier, je fais un save, voilà. Et vous faites cela pour au moins les 10 universités restantes, vous voyez. Donc, vous faites save. Alors, donc, moi, je vais passer directement. Ici, je vais ajouter la seconde université. Ici, encore en chimie. Chimie organique. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Chimie organique, chimie minérale. Ça, c'est votre problème. Voilà. Ici, vous voyez la langue là. La langue étudiée, c'est quoi? C'est turc. Voilà. Donc, je prends turc. Si vous êtes sélectionné dans cette université là, vous allez faire d'abord l'année de langue turque avant de pouvoir commencer à étudier normalement. Voilà, donc je continue, je fais un save ici. Comme je disais, vous allez choisir toutes les universités, voilà, mais essayez de choisir les universités qui sont dans le bon temps. Essayez de choisir les universités qui sont par exemple comme ça enseignées en turc si vous n'avez pas le certificat en anglais. Donc ça, c'est le petit conseil que moi je donne. Donc ici par exemple, je choisis la troisième université. Je peux diversifier un peu en prenant par exemple chimie organique ici, voilà. Et je vérifie ici, c'est turc aussi, turc là. Donc c'est bon, j'avais déjà fait des recherches sur cette université là, donc ça marche. Donc je prends ça, voilà. Essayez de diversifier un peu si on vous propose plusieurs aspects pour ne pas être toujours dans le même sens de chimie, pour que voilà, vous ayez assez de chances de les choisir. Donc les gars, c'est un peu ça ce que je voulais vous montrer en ce qui concerne le choix des universités. N'oubliez pas, vous pouvez faire jusqu'à 12 choix, voilà, minimum 6. Donc faites vraiment le choix, on ne sait jamais. Donc une fois que vous finissez, vous allez venir sur la lettre d'intention. C'est le plus important qui est là, n'oubliez pas, je vous dis et je le répète encore, c'est le plus important qui se trouve là. Ok, donc les gars, c'était moi, Sam Hospital, surtout prenez soin de vous et puis à plus les gars.